Et coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo participation pour mon concours. Participation qui me vient de Asma, du 59. Et en même temps, je vais vous présenter ces autres créations parce qu'en fait, on avait fait un échange. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça en même temps. Voilà. Donc déjà, je vous montre juste le washi qu'elle m'a mis sur son enveloppe. Vous voyez, trop joli. Voilà. Et ensuite, alors des petits tampons. Comme ça. Un petit cœur. Hop. Ça c'est déjà moi. Ça. Hop. Ah. Ça. Et voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer déjà la participation pour mon concours. Donc voilà, elle m'a fait comme une mini laodid. Donc très jolie, avec du papier rose à pois blanc. Voilà, avec un petit nœud, des perles, des demi-perles ici. Voilà, une chaîne, enfin du... Comment, de la twin, voilà, de la twin rose et blanche. Et ici, un petit pendentif, enfin une épingle gourde blanche avec des petites perles et une feuille. Voilà, j'adore. Franchement, c'est trop... C'est raffiné, c'est joli. Hop, attendez, j'arrive pas à vous la montrer comme il faut. Ah, je vais y arriver un jour. Voilà, donc alors vous voyez comment ça se... Et dedans, on a un super tag, franchement, trop beau, très shabby. Alors, en fait, elle a pris un cardstock écru, elle a mis un joli papier de fond, avec des chaussures, trop mignon. Ensuite, elle a mis du tulle, et en fait, ça fait un shaker. Voilà. Non, attendez, j'arrive. Si j'arrive. Voilà. Je vous fais pas trop le tournis. Voilà, c'est très très joli. Donc là, elle a un joli buste ici. Une belle découpe. Tout détouré. Ce que je lui ai demandé. Et voilà, avec un ruban, une perle ici. Ensuite, ici, elle m'a fait une petite rosace. Là, love. Et donc là, il y a de la laine pilou-pilou. Et un petit pendentif avec des perles ici. Des perles et un petit cœur au bout. Voilà sa participation à mon concours. Et franchement, c'est magnifique. Vraiment très beau. J'adore. C'est dans mes goûts. Enfin, c'est vraiment... C'est très beau. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc ensuite, je vais vous présenter ce qu'elle m'a fait pour notre échange, en fait. Alors. Donc déjà, ici, sa petite carte dans une jolie pochette rose à pois. Voilà. Avec un die-cut ici. Et une magnifique carte, pop-up, ou voilà, hop, et regardez, comme ça, c'est très très beau, et vraiment, ouais, très 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 beau, le rose et le marron fonctionnent très bien, on a un joli papier fleuri, ici, là, elle a mis un classeur d'embossage, enfin, ouais, qui est écriture, qui est super beau aussi. Là, une bordure dentelle, du papier qui ressemble, enfin oui, le même que celui-là de la pochette. Voilà, enfin, je vous laisse voir, mais franchement c'est trop beau. Avec un petit, un die ovale, voilà. Vraiment très beau. Merci beaucoup, j'adore. Et ici, je ne vous ai pas montré un nœud.
Voilà pour ça. Alors, ensuite, une petite pochette comme ça. Donc, avec un joli papier vieilli, ancré. Voilà, avec un nœud marron clair. Donc voilà, on ouvre comme ça. Voilà, donc ici on a des jolis comme des tickets en fait. Donc ici on a, c'est un vintage, un tampon, une ancienne image, enfin une ancienne photo, un papillon. Là ça doit être, alors attendez. Ouais, ça doit être de la serviette, ça. Du serviettage ici, là. Là, du papier de livre ancré. Et ici, il y a le sentiment, Explore. Là aussi, alors, papier, serviette en papier, voilà, tampon. Papier de livre. Papillon, un joli papillon avec des strass. Et là, un joli die cut rose. Avec un papillon aussi. Ça c'est quoi? Ça c'est... Ça doit être... Ça doit faire partie de la serviette aussi, je pense. Voilà. Et Escape the Ordinary. Excusez-moi pour mon anglais. Voilà. En fait, c'est... Regardez. L'ensemble, c'est très beau. Très beau. Donc voilà, et le papier derrière comme ça. Et ensuite un autre dans le thème bleu, enfin dans la couleur bleue. Voilà, donc un papillon avec des strass, une page de livre, une petite machine à écrire, bonheur intense. Ici voilà, un papillon. Là c'est éclat de rire. Et là c'est bonheur intense aussi. Voilà. Avec une petite fleur. C'est vraiment très très joli. Des notes de musique, fin des partitions. Voilà pour ça. Voilà, donc je remettrai ça tout à l'heure. Alors, ce n'est pas fini. Donc là. Elle m'a fait comme un petit carnet, en fait. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, on peut appeler ça. Mais donc là, avec le même papier que la petite pochette. Voilà. Donc, très joli papier. Ici, une petite fleur. Ici, carte postale que tu as dû imprimer, sûrement. Et ici, on a une petite pochette. Alors voilà, comme ça, avec une machine à écrire derrière. Là, un autocollant, je crois, carte postale. Ici aussi, je dois être un autocollant, oui, c'est ça. Donc là, c'est des publicités anciennes. Et ici, comme un gros timbre, India, l'Inde. Voilà. Voilà, donc là, derrière, c'est comme ça. Donc, je vais ouvrir. Et là, c'est magnifique, voyez. Donc ici, nous avons des petites enveloppes. Là, une pochette avec comme des portes de dossier, vous savez. Là, des paperclips papillons qui sont vraiment très très beaux. Donc je vais vous montrer, hop, donc les petites enveloppes comme ça, trop mignonnes, avec une bordure dentelle, là, ensuite du papier de livre, de la dentelle, un nœud, et là, voilà, on a la dentelle, et dedans, ici, un sticker. Derrière, nous avons un apron. Un papillon, un timbre,
C'est vraiment très 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 bien, très très joli. Et là, un petit, une petite libellule. C'est très joli. Voilà, pour celle-ci. Donc, vous voyez, elle m'a fait un petit passant là pour mettre les petites enveloppes avec du joli papier. Voilà. Hop. Ensuite, celle-ci. Donc, on a une petite rose là. Des partitions de musique avec des fleurs et des, un papillon. On ouvre des partitions. Une page de cahier ou de carnet. Et ici, un papillon, des fleurs de lavande, je pense, ouais. Oui, c'est ça. De la dentelle, un timbre et des partitions de musique. Voilà. Et une petite image très mignonne. Très jolie. Voilà. Et ensuite, alors, dans cette pochette, vous voyez, donc nous avons comme des porte-documents, si on peut dire. Alors avec le un petit die-cut Paris. Voilà. Là, ici, c'est... Ah, j'avais même pas vu. En fait, vous voyez, je redécouvre parce que j'avais pas tout vu. Là, j'avais pas vu ce petit tag. Voilà. Ici, donc, tu as mis du papier avec des pages de livres aussi, je pense. Voilà, donc tu as fait des tamponnages dessus. Là, un die cut. Et une image aussi, très vintage, avec lignée derrière. Voilà, très, très sympa. Donc, vous voyez aussi, elle a mis un joli papier ici. Voilà. Ensuite, ici, nous avons donc, les paperclips. Donc, vous voyez, ça fait comme des petites pochettes. Voilà. Donc, hop. Un joli paperclip comme ça, vous voyez. Un joli papillon. Là, c'est en rose. Donc, qui est attaché ici. Voilà. Là, c'est un bleu. Et elle a mis des tickets dedans. C'est trop bien. Donc là, voilà. Et un autre ici. Voilà. Paperclip. Très joli. Et donc, nous avons dans ces pochettes des tags. En fait, c'est des cartes à jouer altérées. Donc ici, ah ouais, t'as mis un peu de, comme de la colle ou je sais pas. Ouais, enfin t'as fait comme, ou alors du serviette, je sais pas trop là. Ou alors non, c'est peut-être un tampon, ouais, peut-être, je sais plus, je sais pas trop. Et donc là, un sticker, voilà, cadre. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Et là, voilà, le roi et la reine. C'est trop bien. Moi, c'est vrai que j'ai pas encore fait de cartes altérées. C'est vrai, j'y pense pas. Bon, franchement. Voilà. Donc derrière, vous voyez, hop, ça se présente comme ça. Donc des mini-enveloppes très vintage et avec du joli papier. Là, elle a fait des découpages, enfin des superpositions de papier découpé. Voilà. Et dedans, nous avons un petit tag ou un embellissement. Avec. C'est en fait, on dirait une ATS. Mais voilà. Alors là, une petite image, un papillon, de la dentelle, des strass, un tampon. Très mignon. En fait, c'est, vous voyez, c'est vite fait. Hein. Et c'est super joli. Là, pareil, ici. Superposition.
Hop. Et là, on a la même chose en embellissement avec une autre image, un papillon et des strass, le tampon et un sticker derrière. Voilà. Hop. Alors, pas que j'abîme. Voilà. Donc ici, on a des mini enveloppes qui sont trop mignonnes. Voilà. Et donc ici, on a des mini tags. Voyez. Avec des petites perles et tout. Voilà. Et donc ici, pour finir, donc là, un joli papier écriture. Et un joli tag aussi. Donc avec un tampon de fond, écriture, du papier de livre. Là, une page de carnet, une photo, une vieille photo d'une jeune femme. Et vivre l'instant présent. Franchement, c'est top. Et il y en a derrière. Voilà. C'est très joli. Voilà, voilà. Celui-là. Et donc, on ferme et c'est comme ça. Voilà. C'est vraiment très très joli. Franchement, franchement j'adore. Voilà, donc pour celui-ci, je vais me dépêcher un petit peu. Et le dernier pour notre échange, donc une pochette très shabby avec un joli papier avec des fleurs de... On va dire des fleurs de... Je sais pas trop d'ailleurs. Enfin, des fleurs, quoi. Voilà, un joli papillon en dentelle, franchement, il est magnifique, avec une perle. Là, un bras, comme ça, avec un ruban satin rose, un petit tag, ici. Voilà, des strass, des pompons, là. Et en fait, une enveloppe accordéon. Voyez. Donc je vais vous montrer quelques découpes parce qu'il y en a tellement que ça va prendre des heures. Donc là c'est la première pochette, c'est le thème on va dire papillon. Donc alors, est-ce que j'ai du papier noir par là? Voilà, peut-être sur ça, je ne sais pas si ça va le faire. Ouais, peut-être... Alors attendez, je vais chercher du papier noir. Donc là, ouais, on voit mieux déjà. Voilà, un comme ça. Ils sont magnifiques, hein, franchement, les papillons, j'adore. J'en ai en dies, mais j'ai pas ceux-là. Voilà. Hop, alors attendez, je vais vous en montrer quelques-uns d'autres. Donc, elle m'a fait aussi des petites. Vous voyez, des petits comme des tickets. Comme ça. Donc là, un petit dromadaire ou chameau, je sais pas. Des ananas. Des ananas ou. Je sais pas, voilà. Voilà. Ensuite, là. Donc ça, c'est les mêmes. Là. Un petit palmier, mais c'est la négatif. Là, un petit cocktail. Voilà. Donc après, là, c'est les mêmes. Et là, voilà, je vais vous montrer celui-ci, très joli. Hop, pas comment faire. Vous voyez. Comme ça. Très très joli comme découpe, hein, franchement. Et alors ensuite là, ça va être le thème bébé. Et moi j'ai aucun dies pour les bébés. Franchement, c'est vrai, c'est quelque chose que je me dis que
J'achète pas parce qu'on s'en sert pas beaucoup. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que pour faire des cartes naissance, c'est franchement pas mal. Donc voilà. Donc déjà, vous voyez, c'est trop mignon, les petits bavoirs là. Enfin, les petits bavoirs, les petits vêtements qui sont sur le fil. Ensuite, ces gros landaus qui sont magnifiques aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Elle m'a mis un petit train. Voilà. Donc, alors après, vous voyez, un petit nounours. Comme ça. Là, un petit body. Voilà. La petite tétine qui est trop mignonne aussi, vraiment. Et encore les petits vêtements. Donc voilà pour cette pochette. Ensuite, on va prendre le thème un peu mariage. Enfin, pas un peu, le thème mariage. Donc alors, attendez, hop. Donc là, déjà, il y a des jolis napperons. Comme ça. Ensuite, on a une. Ah ouais, mais alors, ce noir sur noir, ça va pas le faire. Une frise comme ça. Bon, là, celui-là, c'est buste. Je lui en ai déjà remis un dans notre échange, je pense. Là, je l'ai, ce die. Il est magnifique, je trouve. Franchement, il est beau. Ensuite, elle m'a mis des. Ça doit être comme des lanternes, je pense. Hein. Voilà. Là, une jolie horloge. Ça s'est mêlé. Voilà. Comme ça. Monsieur et madame. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour faire ces découpes. Franchement, je sais que c'est très, très long. Et donc, il m'en a mis vraiment beaucoup. Et franchement, c'est adorable. Là, un napperon. Donc, ça, c'est bon. Alors, un nœud comme ça. Vous voyez? Ensuite, une petite caméra. C'est trop bien ça. Voilà, donc là pour ça, je pense que j'ai fait le tout. Ah non, j'ai pas montré ça. Là, les mariés. Comme ça. Les alliances. Ou les bagues de fiançailles. Les petites lanternes. Voilà. Franchement très beau. Et puis les mariés aussi, la robe et le marié. Hop. Voilà. Vraiment très très beau. Donc ensuite pour l'autre poche. Donc là c'est des mots. Donc on a. Bon, voilà, vous allez les voir à l'envers les mots, donc je vais vous les lire. On a moment. On a souvenir, on a la vie est belle et tout, donc ça, enfin vous les connaissez, mais voilà, c'est vraiment très très sympa de m'avoir mis tous ces petits mots ensemble. Voilà, ensuite on a happy, tout ça. Et pour finir, la petite pochette, donc là on a baby et girl, un enfin, baby, boys and girls plutôt. Là, elle m'a mis des fleurs comment, en papier. Je pense que c'est toi qui les as fait, hein? Ouais, c'est toi. Parce que c'est des papiers, tu les as ancrés, ouais. Avec comment, une attache parisienne au milieu. Donc, très jolie. Avec cette petite emballage trop mignon. Voilà. Et ici, pour finir, hop, des nœuds. Voilà. Voilà. Donc, ben je te remercie énormément, Asma, pour ta participation à mon concours. En même temps, tout ce que tu m'as envoyé pour notre échange. Vraiment très, très sympa. Enfin, très joli. J'adore. Franchement, c'est top. Et en fait, c'est son premier échange parce enfin, elle envoyait des choses, mais elle n'avait jamais fait d'échange. Donc voilà, c'est son premier échange. Et franchement, je te remercie énormément. C'est magnifique.
Et merci pour ta participation à mon concours aussi. Donc voilà, donc moi j'ai pas filmé ce que je lui ai envoyé. Par contre, je vais mettre des photos sur Insta. Enfin, je vais mettre des photos sur Insta, voilà. Donc sur ce, je te dis encore merci. Je te fais des gros bisous, Asma, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!